Bruxelles. On relâche le dans le territoire des 3M. Derrière le but, c'est Martel. Ward qui va récupérer le rondelle libre. Et là, on était fatigué là, du côté des... Pour les pays. Et la flamme, ça va le seul. Il est en pénalité là-dessus. Il est en pénalité. Lancé de pénalité. Jean-Christophe Lamblard. Ça ne faisait aucun doute, Louis. Et là, Bertrand qui a presque frappé l'arbitre là-dessus. Et là, Jean-Christophe Laflamme, qui donc, lui, qui a la chance de se racheter. Wow! Il a utilisé sa vitesse là-dessus pour dépasser, passer entre les deux défenseurs. Et hier, il s'enroulait dans le vestiaire. Ouais, il s'enroulait. Et là, on peut penser pratiquement de héros à zéro. Parce que hier, il y a quand même... Je veux dire, zéro est peut-être un peu dur, là. Oh, ouais. Il a la chance de jouer les héros de ce soir. Et je pense que l'appel ne faisait aucun doute dans mon cas. Sans partisanerie, il était vraiment seul et ça méritait un lancer de pénalité. La rondelle qui est placée au centre. On entend le sifflet, la flamme qui part de loin. Il s'amène, récupère la rondelle. Seul le mauvais tire, l'arrêt du gardien avec la jambe en droite. Attendant, il tire pas, côté du bandon, et ça a raté. Alors, Christophe Laflamme qui s'en veut là-dessus. Toute une chance de rater. Gaspillé par les 3L qui aurait pu sauver avec ce match-là.